aujourd'hui on se retrouve pour un vlog sur, dans une salle de réalité virtuelle à Bruxelles. C'est la première fois que je viens ici, donc je vais voir un peu ma réaction, même si j'ai déjà fait ça un peu ailleurs. Dans 15 petites minutes, normalement, je vais essayer ce truc. Peut-être vous pourrez me voir sur la vidéo, ma réaction. Alors, je vous dis, j'espère que je ne vais pas tomber sur Minecraft.
Ouais, maintenant vous pouvez avancer. Ce matin, je suis allée à Wally West, j'ai fait un petit tour, voilà.
Mais ce qui était vraiment chouette, c'est quand je suis allée au bowling, je l'ai trouvé, heureusement, sur le chemin du bowling, vraiment la même rue, il y avait ce virtual room. Et je me suis dit, ah, mais j'ai déjà vu une publicité de ça, des flyers qui se trouvaient dans des lieux publics. Et je me disais, eh ben, moi, c'est ce que je me disais, mais ça serait super chouette d'y aller un jour quand on a l'occasion, genre pendant les vacances. Puis là, justement, il se trouve justement que je tombe sur la porte d'entrée, je vois, oh, mais voilà, c'est là. Et je me suis dit, ben, ça vaut peut-être pas la peine, faut réserver à l'avance, mais non, je rentre et le service et le personnel de l'accueil est très très sympathique. Et il est possible, dans les 15 minutes, j'attends les 15 petites minutes, hein, regarde un petit peu, hein, c'est ça qu'ils font, ça, voilà. C'est petit 15 petites minutes, je regarde ma caméra et puis après j'ai fait une expérience et c'était tip top, croyez-moi. Mon préféré, c'était d'abord les astronautes. J'ai fait ce jeu avec la mission spatiale parce que je vais vous dire un truc, moi depuis que je suis toute petite, j'ai un rêve de gosse, c'est d'aller. Un rêve de gosse qui s'appelle aller dans l'espace. J'ai toujours rêvé d'NASA, alors c'est pas possible. Mais là, je me suis donné l'impression qu'un rêve de gosse s'est réalisé parce que j'étais projetée dans. Je me projetais dans une image de la station spatiale, tu vois, assez réel, très réaliste, moi, pas le vide. Hein. Pas peut-être le malaise, mais ce que tu voyais, tout, c'était juste trop magnifique, hein, un vrai rêve. Et après, j'ai fait du vue sous l'eau, c'était quand même joli, que les poissons sont impressionnants, mais quand même joli. Si maintenant, je dois dire qu'en plus, je suis fait après un jeu avec une simulation de chute libre. Ça, vous aurez peut-être vu sur la vidéo, je crois, mais. Il faut dire que le but justement c'était d'aller sur la plateforme et de ne pas perdre d'équilibre. Mais moi je fais quoi? Je fais comme Spider-Man, hop je saute, qu'est-ce qui me prend? C'est incroyable hein. Et puis j'ai terminé par un jeu qui est en fait dessiné dans l'air, dessiné virtuellement. Alors là c'est un peu comme Paint, mais c'est comme Paint, mais sauf que c'est VR et que tu es en 3D. C'est très étonnant. J'imagine que Squeezie a déjà fait le même jeu que moi, mais bon, voilà. Youtubeur avant, Youtubeur après, on dit. En plus, ce que je dois ajouter, qu'après j'ai fait une petite partie de bowling et c'était vraiment super sympa. Sauf que bah, le bowling c'est difficile, hein, pour s'entraîner. Parce que quand on n'a pas les barrières au niveau des gouttières, ta boule, elle dégage, elle n'a pas envie de rencontrer la. Ta boule, elle n'a pas très envie de se cogner contre les quilles, alors elle s'échappe, comme ça. Ah, petit conseil, la prochaine fois que tu joues au bowling, je te conseille de mettre. Je te conseille de truquer ta boule. Tu mets un système comme un drone, après tu prends une télécommande sur ta poche et tu fais circuler la boule et tu mets des tracks et tes potes font. Les gens font wow, mais se débrouille bien. Ou alors demain tu te dis bon, moi je me débrouille bien, voilà. C'est mon petit conseil à moi. Ouais, ou alors le deuxième conseil, tu un tatou, le petit animal. Mais bon, le problème avec le tatou c'est que c'est pas apprivoisable. Alors il va rouler un peu partout. Bien, tatou ça roule pas. Hein. Si, faut même pas savoir. Sinon, bah, que je termine quoi si j'avais fait, il faut dire que si je m'étais pas déplacée, je ne serais pas venue ici. Si je me serais barricadée dans ma chambre, parce que j'avoue, sur le trajet, j'ai eu des angoisses. J'ai eu peur qu'on me vole des affaires, j'ai eu peur qu'on me fasse du mal, j'ai eu peur de tomber, de me faire mal, de me blesser, de me casser des choses. Mais non, tout va bien. Tout va bien, mais moi j'avais peur, j'étais tout le temps meurtrie, enfin peur. J'étais pris dans une angoisse, mais c'était incroyable. Une angoisse assez handicapante, l'angoisse, ouais. Sauf que pour moi, j'arrive à passer mes peurs et après je me rends compte que je passe vraiment une bonne journée. Donc là, je me dis, je suis pour quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un de très courageux. Bon, ça se confirme. C'était tout pour ce vlog. Alors. Retrouvez-moi sur ma chaîne, parlez-en à vos amis ou abonnez-vous si ça vous intéresse. À votre aise. Hein. Bisous. Peut-être quand je parle comme ça, mais c'est parce que tout en regardant de l'autre côté, ça te fait dire est-ce que quelqu'un va prendre tes affaires ou est-ce que quelqu'un va te faire ci ou te tirer les cheveux ou t'arracher ton nœud ou oh mes cheveux, il m'a tiré les cheveux, madame, madame, madame. Voilà. Je vais le dire à la maîtresse, il a tiré mes cheveux. Bon, je rigole. Allez, bisous, je vous laisse. Ciao.